À suivre dans cette édition, cette attaque meurtrière contre des civils dans un camp de déplacés hier à Goma. Le gouvernement de la République a dénoncé un nouveau crime de guerre d'IM23. Les détails à suivre dès le début de ce journal. Nous ferons également le point sur la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée hier vendredi 3 mai 2024. Nous irons également à Kolwezi dans le Lualaba où se tient la 5e édition du Forum économique Katonga Business Meeting. Rendez-vous tout à l'heure. Première édition de la journée en direct depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je le disais dans le sommaire, nous démarrons ce journal par cette explosion qui a fait plusieurs morts et des blessés graves dans un camp de déplacés à Goma. Nous sommes là dans le Nord Kivu hier, vendredi 3 mai. Et le gouvernement de la République qui réunit donc en conseil des ministres et les membres du gouvernement qui expédient donc encore les affaires courante envisage de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer cette violation flagrante des droits humanitaires. On écoute à ce sujet les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et de la Sécurité. Le gouvernement a suivi les déroulements de ces incidents malheureux qui se sont produits dans la ville de Goma aujourd'hui et plus précisément dans un camp de déplacés. Le gouvernement de la République, au cours du Conseil des ministres de ces jours, a garder d'abord une minute de silence en mémoire des victimes qui se comptent, entre autres, il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes, mais aussi des hommes. Le gouvernement de la République tient à dénoncer cette pratique des terroristes d'IM23 qui n'ont des cibles ces derniers temps que des camps de réfugiés, donc des objectifs civils qui n'ont rien à voir avec des cibles militaires. Nous, en tant que gouvernement, nous allons dans les prochains jours saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ces faits, cette violation flagrante des droits humanitaires, parce que la guerre a des règles et que ces forces négatives dirigées par les Rwandais se mettent à tuer nos personnes civiles. Donc nous allons porter cette affaire devant les instances internationales compétentes. Mais aussi, le gouvernement de la République se prépare à une riposte proportionnelle à cet acte de provocation, énième acte de provocation du Rwanda, qui a choisi de terroriser la population civile alors que celle-ci ne veut que la paix. Nous demandons à nos populations de garder l'air calme. L'objectif ici visé par l'ennemi, c'est de démoraliser la population, la pousser à la révolte, mais nous allons bientôt faire une riposte proportionnelle à cet acte de provocation. Pour cette riposte du gouvernement de la République, et c'est à la suite de cette énième agression rwandaise que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a d'ailleurs décidé d'écourter son séjour européen pour regagner le pays. Dans l'actualité également, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication interdit à tous les médias congolais de diffuser les informations concernant les rebelles d'IM23 appuyés par l'armée rwandaise et sans se référer aux sources officielles. C'était depuis le 29 mars dernier. Devant la presse, le président dit c'est ça que Christian Bosembe a tenté de dissiper tout malentendu ayant puis donc surgi suite à cette instruction. On écoute à ce sujet des présidents du CESAC au micro de Dylan Kayuma dans ses reportages. Le récent communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC continue à faire grand bruit. Un communiqué recommandant au directeur des programmes de tous les médias opérant en RDC de ne plus diffuser les informations en rapport avec la rébellion de l'Est de la RDC sans se référer aux sources officielles. Pour une frange des professionnels des médias qui n'est pas d'accord à ces sujets avec les CESAC, s'insurge contre toute tentative de museler la presse, sinon d'étouffer la liberté d'expression consacrée par la Constitution de la République. Le président du CESAC réagit. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est une entrave et je ne vois non plus en quoi est-ce que c'est une régression. Au contraire,
C'est plutôt une manière de garantir la bonne information qui rentre dans nos missions. Le combat que nous avons, c'est le combat de l'accès à l'information. Il faudrait que les journalistes aient l'accès à l'information. Il faudrait que les officiels permettent aux journalistes d'avoir les informations à la source. Parce que si les journalistes n'ont pas l'information à la source, c'est ça qui crée généralement des informations ramassées sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Une autre affaire qui fait grand bruit au niveau de la presse, les dossiers Forage et Lampadaire, qui a coûté des millions de dollars américains au trésor public congolais, dont l'exécution sur le terrain suscite plusieurs interrogations et parfois des positions partisanes dans les chefs de professionnels des médias. Crispin Bossembe, à l'appel à la conscience professionnelle. Faire des investigations, ça ne veut pas dire insulter. Il faudrait qu'on comprenne que les imputations dommageables, les calomnies, la diffamation sont des infractions pour lesquelles on peut arrêter des gens. Et un journaliste ou les journalistes ne devraient pas s'adonner à cela. Limitez-vous à votre mission de dénoncer et laissez les instances judiciaires faire leur travail. En ces jours de la célébration de la Journée mondiale de la presse, le président du CESAC n'a pas oublié de remercier tous les professionnels des médias, notamment pour le travail de haute volée abattu tous les jours, afin d'informer le public en général. Sacrée journée mondiale, la liberté de la presse a été célébrée hier, vendredi 3 mai 2024. La directrice de KIN 24 Télévision, à l'occasion, s'est notamment intéressée au fonds de soutien et à la question de l'efficacité des médias, ainsi qu'à l'importance de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. On en parle dans ses reportages signés Anastasie Doumbi. À l'occasion de la célébration ce vendredi 3 mai 2024 de la Journée mondiale de la presse, les journalistes congolais rendent public son classement annuel. Pour le directeur de KIN 24, l'information doit être impartiale, comme la chaîne nationale, la RTNC, au milieu du village, précise-t-elle. Je crois que les responsabilités sont partagées. On va dire qu'à ce jour, on a évolué, parce que depuis ces temps, on a vu certains médias être fermés à cause de non-respect, mais le gouvernement aussi de son côté devrait justement soutenir les médias parce que nous vivons en RDC, nous connaissons comment les chaînes de télévision fonctionnent, bien que certains essayent de survivre avec des annonceurs et autres, mais je pense que cette subvention apportera beaucoup plus de liberté et d'indépendance à ces médias. Que l'État congolais disponibilise un budget qui permettra justement leur survie. Et cela aussi jouera de la même manière d'un autre côté sur le comportement du journaliste ou du social même du journaliste en tant qu'agent de ce média-là. Le journaliste vit aujourd'hui de ses contacts, il vit de ses relations. Ainsi, je trouve que ça empiète au travail du journaliste, parce que actuellement on a des journalistes qui sont pro-pouvoir, un journaliste pro-opposition, chacun tire le drap de son côté, ça ne permet pas aussi aux journalistes de faire bien son travail, parce que là on est influencé et l'éthique, la déontologie est biaisée à cause de cette position. Rappelons que depuis de l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la clôture des états généraux, d'accompagner la dépénalisation des délits de presse et de garantir l'indépendance des médias. Elle lance un message à toute la presse de la République démocratique du Congo, à la conscience professionnelle. Et le nouveau bâtiment devant abriter la salle d'audience, la Cour constitutionnelle et la RDC est en pleine construction ici à Kinshasa, la capitale. C'est les chantiers visités par les juges Dieudonné Kamouleta, président de cette juridiction pénale. Les constats et que les travaux avancent normalement. Explication, Edith Chala. 7 mois après la pose de la première pierre par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les travaux de construction du bâtiment annexe devant abriter des nouvelles salles d'audience, les bibliothèques et bureaux de la Cour constitutionnelle avancent à pas de géant. Le constat a été fait ce vendredi 3 mai 2024 par le président de la Haute Cour en compagnie du représentant résident du PNUD en RDC. Dieudonné Kamouleta et Damien Mama ont évalué le niveau et la qualité des travaux exécutés par l'entreprise Manufacture, Bâtiments et Travaux Publics. Nous venons pour que, ensemble avec les architectes,
il puisse nous expliquer. Vous avez fait le tour avec nous. C'est avec satisfaction que nous trouvons que presque les gros travaux, c'est pratiquement comme notre œil ici. Je pense que nous serons dans les délais. Dieudonné Kamouleta privilégie les suivis dans l'exécution des travaux afin de se rendre compte de la qualité du chantier, financé à hauteur de 65% par l'État congolais avec l'accompagnement du PNUD. Peu avant cette visite du chantier, Dieudonné Kamouleta et Damien Mama ont échangé au bureau du président de la Cour constitutionnelle sur le partenariat entre le Conseil supérieur de la magistrature et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Du pacte social entre les terres syndicales et l'État employeur en passant par la rétrocession de la prime des régies financières ainsi que la paix du personnel, l'administration publique, tous ces sujets ont fait l'objet d'échanges entre l'intersyndicale, l'administration publique et Jean-Pierre Liaou, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Reportage signé Cédric Kenina. C'est un acquis. Le gouvernement congolais a respecté les engagements pris sur l'apurement des arriérés de la prime, de la rétrocession des régies financières et la paye normale des salaires des fonctionnaires de l'État. Ces informations ont été portées à la connaissance de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Assuré de l'effectivité de l'approvisionnement des banques commerciales, le président de l'INAP, Fidel Kiangui, a salué les efforts consentis par le gouvernement de la République sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans le respect des engagements souscrits pour garantir la paix sociale. Oui, nous devons le dire que le gouvernement a tenu ses engagements, mais nous serons plus à l'aise si ces mêmes engagements sont encore tenus quant à ce qui concerne le mois de mai. Nous les remercions et nous remercions les chefs de l'État. Les salaires de base, aujourd'hui que nous parlons, toutes les banques sont servies. Toutes les banques sont servies, je pèse bien les mots. Et il ne reste qu'aux banques et à la DIRPE d'envoyer des listings dans des banques, là où ce n'est pas encore envoyé, afin que les agents soient payés. Nous pensons que le dialogue doit être mis au centre de tout ce que nous faisons. C'est avec le dialogue que nous gagnons. Jean-Pierre Liaou a insisté sur la volonté du gouvernement de mettre tout en œuvre pour maintenir ce pacte social qui trouve ses racines dans le cadre du dialogue social permanent avec les banques syndicales. Vous savez comment le ministre de la fonction publique anticipe toujours les événements pour éviter à ce que nous puissions connaître encore des petites perturbations. Bref, ça se passe très bien, nous multiplions les réunions, mais pour l'instant, rien à signaler, tout se passe normalement. Le banc gouvernemental a respecté les engagements pris envers le syndicaliste, ça a été fait par rapport aux régies financières et par rapport aux agents et fonctionnaires de l'État. Donc le mois d'avril, c'est trop dans les banques commerciales. Au courant de la semaine, je crois que les agents pourront voir leur compte crédité. Ça reste tout simplement la programmation par rapport aux banques commerciales. Et on séjour à Paris, où elle a accompagné le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première dame, Denise Nyakoro-Tshisekedi, s'est entretenue avec les boursiers des quatre premières éditions de son programme Ambitieux Excellencia. L'objectif de ces échanges était de connaître à la lettre les différentes phases du parcours de ces étudiants. Naïcha Kiala et Patrick Michel Mokoui. Un dessin portrait fait à la main, l'expression de la reconnaissance est autant émotive que le sourire sur leur visage. Ce boursier dont certains rencontrent pour la première fois leur bienfaitrice ont passé de moments particuliers avec la première dame, la distinguée Denise Nyakoro Tshisekedi. En quatre éditions, 19 filles et 18 garçons inscrits en France passent leur temps de recherche scientifique à penser au développement de leur pays, la RDC, en suivant de filières bien particulières. Je vais créer des entreprises à vocation agricole, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent aujourd'hui en RDC, sur les enjeux agricoles. Bien sûr, nous avons des terres arables. En RDC, on a beaucoup de terres qui ne sont pas encore exploitées. Ce que je veux, c'est travailler dans les transports. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est relier le nord et le sud de la RDC, l'est et l'ouest. Dépendant de la situation géographique de la RDC, on n'a pas tous les mêmes richesses. Et ça serait bien que l'est puisse apporter ses richesses à l'ouest, les sud au nord et vice-versa. Et donc, je me dis, peut-être ce qui empêche encore ça aujourd'hui, c'est les systèmes de transport. Pourtant, on a grave des ressources, on a un fleuve qu'on peut exploiter. En France,
La rigoureuse sélection de boursiers du programme Excellencia fait ses preuves avec une moyenne entre 14 et 19. Nous sommes très satisfaits parce que sur le 37 étudiants qui sont là, ils sont tous en train d'évoluer très bien. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux sont majeurs de leur promotion. Il y en a qui sont dans de doubles cursus, mais qui, malgré la double diplomation qu'ils font, ils restent quand même le meilleur de leur promotion avec tout ce qu'il y a eu. Ils pouvaient avoir comme difficulté en termes de choc de culture, en termes de climat, d'adaptation, d'environnement et tout, mais ils ont su faire preuve de beaucoup d'excellence en étant toujours le meilleur, et cela nous encourage beaucoup à pouvoir le soutenir, être encore plus près d'eux afin de leur donner le maximum pour qu'ils puissent avancer sur ce chemin qu'ils ont déjà pris. La présidente de la fondation d'Ininia Kirouchi Sekedi a comme chaque fois utilisé ses réflexes de mère pour rassurer ses protégés appelés à affronter les défis de la nouvelle vie. On doit construire, on doit faire les projets ensemble. D'accord. D'abord, étudier, terminer. Aimez ce que vous faites, ce que vous avez choisi, et vous allez le faire bien. Et on sera là pour vous accompagner. Je tiens à remercier la Première Dame pour tout ce qu'elle ne cesse de faire pour la jeunesse congolaise. Plus tard, peut-être, les jours où j'aurai envie d'abandonner, peut-être je me dirai, ouais, non, il y a la Première Dame, en fait, qui t'observe, qui est là, et qui t'encourage aussi, et ça sera aussi une source de motivation pour moi. Au fur et à mesure que les éditions s'enchaînent, le programme Excellencia rassure l'opinion de l'architecture de la prochaine élite appelée à concrétiser le développement de la RDC. Et à Kinshasa, les jeunes entrepreneurs ont été réunis pour identifier les problématiques qui freinent le développement de l'écosystème entrepreneurial. En RDC, c'est au cours d'une table ronde organisée par le Conseil national des jeunes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo. Reportage, Sandra Dingitabu. Tous les jeunes entrepreneurs de moins de 40 ans se sont donné rendez-vous à cette table ronde organisée par la Commission nationale des jeunes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Des discussions en distanciel comme en présentiel menées à bien par la présidente de la CNJE, Ticia Mukuna, ont porté sur quatre thématiques. De la problématique de la promotion des contenus locaux exposée par Mme Ruth Ngwanza, M. Christopher Mukuka, lui, a tablé sur la compétitivité et financement, la problématique de formation et de compétences exposée par M. Michael Lisselele et Lionel Kabea sur la gouvernance et climat des affaires. Cette table ronde vise donc à réunir les membres de la FEC de moins de 40 ans, mais aussi les responsables des organisations et structures d'accompagnement des jeunes et des représentants des entités publiques ayant pour mission l'entrepreneuriat des jeunes. Ces assises est aussi une occasion pour le nouveau bureau de la CNJE de la FEC de recueillir et d'identifier les principales problématiques qui freinent le développement d'un écosystème entrepreneurial favorable aux jeunes. On a pu réunir tous les jeunes de différentes associations d'entrepreneurs, différents entrepreneurs aussi à travers la République, pour qu'on puisse ensemble réfléchir à un plaidoyer et le porter. Car nous sommes persuadés dans notre commission à la FEC que c'est ensemble et unis que l'on va plus loin. Au terme des discussions, les recommandations des jeunes entrepreneurs ont été réceptionnées. L'activité se poursuivra la semaine prochaine où les entrepreneurs seront réunis en focus group pour préparer un document de plaidoyer à présenter aux autorités compétentes. Je vous amène cette fois-ci à Kolwezi dans le Lualaba où les opérateurs économiques vivant dans tous les secteurs de la vie nationale prennent part à la 5e édition du forum économique Katanga Business Meetings pour l'assainissement du climat des affaires en République démocratique du Congo. Nous retrouvons à Kolwezi notre conseillère Myriam Deke. Ce grand salon multisectoriel B2B de la RDC qui réunit plusieurs entreprises évoluant à travers différents secteurs est une occasion de présenter les potentiels du Grand Katanga en général et ceux du Lualaba en particulier et aussi orienter les actions qui participent au développement de la RDC, a indiqué le DG du CABEM. Par la même occasion, la gouverneure Fifi Masuka du Lualaba a en premier salué les efforts consentis par le chef de l'État dans la promotion des PME congolaises et c'est dans la restauration de la paix à l'Est. Je rends mes plus grands hommages à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, l'artisan de l'assainissement du climat des affaires et maître de l'orchestre
du gagnant-gagnant dans l'exploitation minière en République démocratique du Congo. Je ne peux pas continuer sans réitérer mon appui et affirmer celui de la population du Lualaba au chef de l'État qui consacre toute son énergie pour pacifier le pays et en finir avec les tueries causées par l'injuste agression rwandaise dans la partie est de notre territoire national. La dirkaba du chef de l'État, Nicole Boacha, donne les go de ces assises en toute fierté. Pour cette 5e édition, en 10 ans d'existence, le Katanga Business Meeting, fidèle à sa tradition et sa vocation de salon multisectoriel et professionnel, a choisi de nourrir la réflexion et les débats sur le thème « Investir dans les pôles industriels pour une dynamique de croissance en RDC ». Après les allocutions des officiels, suivra la coupure du ruban symbolique pour sceller l'ouverture de ces assises. Moment propice pour les entreprises évoluant dans la sous-traitance de présenter leur potentiel au service de la province. Les entreprises œuvrant dans le secteur minier, eux, saluent les efforts consentis par le gouvernement pour l'octroi de contrats aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. Moi, je pense que la loi, elle est déjà en pratique. Pourquoi ? Parce que récemment, là, on a publié une liste des entreprises qui devraient avoir leur contrat à TFM. Parmi ces entreprises, nous étions les premiers. C'est déjà une très bonne chose. KB, c'est un secteur qui nous permet de nous unir, approfondir nos connaissances, tisser encore d'autres relations. Durant 2 jours, les participants réfléchissent en panel en partant du thème principal pour résoudre la problématique liée à l'industrialisation en RDC. À Kinshasa, le programme des Nations Unies pour le développement s'est engagé à renforcer les capacités des inspecteurs des impôts sans frontières en matière de mobilisation des recettes. Téné, le directeur général de la Direction générale des impôts et les représentants résidents du PNUD ont ensemble échangé sur la question. Explication, Jean-Pierre Ndododimazou. La Direction générale des impôts et le programme des Nations Unies pour le développement décident de convoler en juste noce. Le PNUD s'est engagé à permettre à la DGI de mobiliser les recettes à travers la formation de ses inspecteurs. Barnabé Mouakadi Mwamba, DG de la DGI, a rencontré ce vendredi le représentant résident du PNUD en RDC. Les deux personnalités ont convenu de marcher main dans la main pour atteindre l'objectif qu'ils se sont assignés. La Direction générale des impôts joue un grand rôle. À elle seule, elle doit produire plus ou moins 35% sur l'ensemble des budgets de l'État. Voilà pourquoi on n'a pas tardé pour parler aux représentants des PNUD s'ils peuvent nous aider à ce niveau-là. Il a été vraiment très ouvert. Je pense qu'on va déterminer un point focal ici à la Direction générale des impôts qui sera en contact avec le représentant des PNUD. Et ensemble, on va voir dans quelle mesure le PNUD pourra nous aider, et surtout en ce qui concerne la formation des inspecteurs des impôts sans frontières. Le représentant résident du PNUD a abondé dans le même sens. La démarche de la DGI, qui est l'une des régies financières ici, de venir vers nous, est une démarche qui nous réjouit parce que ça nous offre l'opportunité de contribuer à permettre à la RDC de doper sa capacité en matière de mobilisation des ressources intérieures. Il faut rappeler que le PNUD a participé il y a peu à la remise du diplôme de mérite au directeur général de la DGI par le réseau des parlementaires pour les objectifs de développement durable. C'est dans ce contexte que Barnabé Mouakadi s'engage à former les inspecteurs de sa régie financière pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes pour maximiser les recettes de l'État. Et en politique, le mausolée de l'ancien Premier ministre Fédorteur Tshisekedi Chiwa Mulumba, situé à Ntélé, est en pleine réhabilitation. Le secrétaire général des DDPS se s'est rendu sur les lieux pour s'imprégner de l'évolution de travaux. Bien avant cela, le sénateur Augustin Kabouya s'est entretenu avec les bureaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, conduite par son président Lévi Chimbout. Explication à Alain Bikaï. Après son élection au bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbouta a conduit une délégation de ses bureaux auprès du membre du Présidium de l'Union Sacrée pour la Nation, l'honorable Augustin Kabouya,
question d'échanger avec ces derniers sur les enjeux politiques et les défis qui attendent ces bureaux. En nationaliste, le secrétaire général de l'IDPS a prodigué des sages conseils à ses hôtes en leur demandant de travailler en harmonie avec l'exécutif provincial. Vous êtes les élus du peuple et vous devez privilégier les intérêts des Quinois, surtout combattre les détournements des deniers publics avec les contrôles parlementaires. Vous avez vu, lors de la législature passée, il y avait de l'imbroglio, de l'incompréhension entre l'organe délibérant ainsi que l'exécutif. C'est pourquoi rien n'a marché. Le problème de l'insalubrité, le problème de l'électricité, le problème de l'eau et surtout le problème de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Rien ne pouvait marcher parce que ces deux organes, ces deux institutions n'ont pas bien travaillé ensemble. Mais cette fois-ci, que les Quinois et Quinois soient apaisés, votre bureau est là, ainsi que le gouverneur et les vice-gouverneurs qui venaient d'être élus. Nous allons travailler dans la symbiose, nous allons travailler ensemble et que les Quinois sachent que le travail sera très bien fait. Dans un autre registre, le sénateur Augustin Kabuya s'est rendu au mausolée de son maître Étienne Tshisekedi Mulumba pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de rénovation de ce lieu touristique. Pour ce faire, les disciples d'Étienne Tshisekedi a procédé au remplacement des drapeaux du parti du pays qui flottait sur ce lieu du repos éternel du sphinx délimité. Tout à fait autre chose dans le cadre de la poursuite des activités marquant le 8e anniversaire de la mort de l'artiste et musicien Gilles Chungu Wimbadio, dit Papa Wimba, Lasbel Banakin, qui dirige le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a honoré la mémoire des Bakala de Kouba à travers un concert livré à l'hôtel Meming. Question de rappeler l'importance de Papa Wimba dans l'évolution de la musique africaine. Images et commentaires. Décédé le 24 avril 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Jules Chungu Wimbadio, dit Papa Wemba, totalise 8 ans depuis qu'il a quitté la terre des hommes. Banakin, association qui défend les intérêts des Quinois, que dirige Godard Motemona, vice-ministre des Mines, est plus que déterminé à faire de cette date une référence nationale pour la rumba congolaise. Le samedi 27 avril 2024, les sociétaires de cette association ont honoré la mémoire de ce grand artiste. Un concert a été livré à l'hôtel Memling auquel ont participé l'orchestre Viva la Musica et les amis de Papa Wemba, notamment Nyoka Lungu, Evoluku, Bozi Boziana et tant d'autres. Initiative saluée par les Quinois. Aujourd'hui, nous sommes très fiers, nous Banakin, d'avoir organisé cette soirée. Et c'est vraiment sous l'instigation de notre très cher président, M. Godard Motemona. Ce monsieur s'est investi à 100% pour que cette manifestation puisse à réussir. C'est une star planétaire. Comme nous le disons, nous on l'appelle M. Musique. Ce n'est pas par hasard. Sa musique a franchi les frontières. Plusieurs personnalités ont répondu présents à cette grande fête de la musique congolaise. Notez que le 24 avril dernier, Lasbel Banakin a organisé une messe en mémoire de Papa Wemba à la place des Quinois à Matongé. La participation des coopératives agricoles au développement et les bonnes raisons d'y adhérer, ces notions ont été expliquées aux femmes maraîchères de Selembao. Reportage. Cette rencontre était une belle opportunité pour le président des bétonistes Michel Chimbaï d'outiller et de sensibiliser les femmes maraîchères de Selembao sur les raisons d'adhésion et l'importance de rejoindre une coopérative agricole dans l'élimination de la pauvreté compte tenu de ses différents avantages, à savoir l'indépendance économique et le développement d'une agriculture durable. Et cela avait comme seul objectif d'augmenter la productivité et d'inonder surtout les marchés agricoles initiés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec des différents produits agricoles et des biens de première nécessité. Tout en insistant sur le rôle de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, Michel Chimbaï a saisi l'occasion pour faire un don des matériels
et outils agricoles au profit des femmes maraîchères de Sembaou. Il s'est agi des semences, des houes, des pelles, des râteaux et bien d'autres matériels encore. Le président des bétonistes les a exhortés d'en faire bon usage du dit matériel. Nous avons voulu sensibiliser ce moment à la création d'une coopérative qui permettra aux membres de cette coopérative de bénéficier des crédits agricoles vœux du chef de l'État, ainsi que d'inonder les marchés. Ainsi, pour nous, une manière de contribuer à la vision du chef de l'État. Les bénéficiaires ont à leur tour exprimé leur gratitude à l'endroit de leurs bienfaiteurs pour son appui. La Haute École de commerce de Kinshasa se modernise tant au sud des plans infrastructure que sur des plans qualité de l'enseignement, une mutation opérée grâce au dynamisme du nouveau comité de gestion de cet établissement d'enseignement supérieur universitaire. Explication Sidiki Kidina. Avec une nouvelle dynamique impulsée par le nouveau comité de gestion, l'Institut supérieur de commerce ISC présente un nouveau visage. Aujourd'hui, l'école des hautes études de commerce, ces constats ont été faits par la délégation des communicateurs privés du chef de l'État, CPC, qui plaide pour la construction d'un bâtiment moderne au sein de la grande école de commerce de Kinshasa. Demandons au chef de l'État, comme vous l'avez fait avec l'UNIKIN, avec l'UMBTP, chère excellence, nous vous demandons que vous ameniez votre stylo sur ces papiers, sur cette feuille, et signer dessus. Mais la seule manière de signer dessus, ça sera autoriser, instruire au gouvernement qui sera mis en place très bientôt, afin qu'il y ait un autre nouveau bâtiment érigé sur cette enceinte. Par ailleurs, cette structure salue les avancées technologiques qui favorisent la ponctualité des travailleurs. À l'époque, c'était quelqu'un qui pouvait signer, il vient à 12 heures, il signe qu'il était là depuis 8 heures. Avec la modernisation, ils ont instauré un système de l'empreinte. S'il faut voir de l'autre côté, vous verrez qu'il y a le départ et l'arrivée. Donc, vous êtes agent de l'administration. À votre arrivée, vous mettez l'empreinte qui signale l'heure à laquelle vous arrivez. Et au moment de départ, vous êtes censé faire le même exercice. Avec ces nouveaux bâtiments construits, l'école de hautes études de commerce va s'activer à diversifier et rendre son enseignement beaucoup plus compétitif. Il est hissé, sans doute, au standard. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à toute l'équipe technique et la rédaction avec nous. Mamit Tabangoulou, Maxime Androkwa, bienvenue Konga, Émile Zola, José Dimonekene, ainsi qu'Alain Ngaliaga, ce que nous avons pu vous informer. Restez bien entendu sur notre chaîne. L'actualité est en continu. Retrouvez à 13h30 Paulette Lomba pour la suite de l'information. Merci et à la prochaine.